Bonjour à tous, c'est Captain V, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Payday, c'est le deuxième épisode que l'on fait, si je ne dis pas trop de bêtises. D'annerie, ouais, tout à fait. Oui, effectivement. Mais il me semble que c'est cela. Oui. Et c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire. Oui, bah ça fait longtemps qu'on n'a pas joué parce que j'avais perdu mon compte Steam. Du coup j'ai pas pu jouer, du coup je me rappelle plus du tout. Tout à fait. Oui. Voilà. Moi ouais. J'ai rejoint un peu donc. Moi, de toute façon, j'ai toujours été meilleur que toi donc voilà. Allez, on est parti. Ouais, ta gueule, ouais. Ok, il est mort. Faut lui crier dessus. Lève-toi, gros con, PD. Voilà, marche. Marche, bien. Excellent, il y a une tyrolienne. Toi, ouais, t'es où? Allez, donc moi je travaille et toi tu fais les conneries. Effectivement. On est bien là. Mais passe pas devant moi, trou du cul. Comment? Passe pas devant moi, trou du cul. Mais je suis là depuis une heure, moi. Hop hop, tu vas commencer à me parler sur l'autre toll, s'il te plaît. Oh, écoute, après je... Putain, ça me fait marrer quand ils font des roulades. Bonjour. Pirouette. Cacahuète. Ah merde. Oh putain. Ah, je suis mort. Ah. C'est pas de chance. J'arrive. C'est bon. Relevez l'ennemi. Pauvre type. Tu me fais pitié. C'est bon. T'as un kit de soins par hasard? Ouais, évidemment. J'ai toujours ça sur moi. Avec du doliprane et par du contre, le foot en plein milieu du truc, c'était peut-être pas hyper audacieux, tu vois. Oh, tu vois comment ça? Des fronts audacieux. Le front audacieux. Audacieux, le front audacieux. Excellent. Oh. Heureux qui comme Ulysse a fait un bon voyage. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Ou comme c'est celui-là qui conquit la toison. Oh putain, machin là. One shot, bam. Suicide. Grenade. Wow. Ah, ok. Il est où c'est les Bruno. Putain, oh là là, ça va vite. Ah. C'est le mec à la croix branche qui panique. Oh là là. Ouvrir le cadeau de Noël. Oh. Prendre cocaïne. Oh. Ça c'est du cadeau de Noël. J'aime beaucoup l'idée. Le meilleur cadeau de Noël de toute ma vie. Un peu en gros tadouide. Putain, j'ai toujours pas... Oh, un peuplier, attention. Waouh. C'est un superbe matériau. Ouais, en plus c'est très résistant. Ouais, très résistant. Le peuplier. Il résiste très bien la pluie. Choisis un nouveau contrat. Un arbre qui résiste pas la pluie. Oui. Prêt, hop là. Allez. Okay, il est temps de voler tes voitures. Ouais. Ok, ouais, c'est le temps. C'est le moment là, en plus il fait un petit 22 degrés là. Ouais, en soirée, on a un soir d'été, ça se voit là. Il fait le relativement bon. Merde, je peux pas descendre, il y a un flic. Pourquoi? Ah merde. Ah non, mais c'est eux. Il y a un flic qui est arrivé. Je fais quoi? Je le bute aussi? Merde. Tu t'en occupes hein? Sympa. Oui. Putain, je suis un tireur d'élite. Mais heureusement que je l'ai vu aussi, hein. Je te dis, c'est comme ça, t'attendais devant l'entrée, bam. Coup de fusil. Viens là, allez hop, coucher. Voilà. C'est bon, hein. Et toi aussi, tu viens, mon bonhomme? C'est gentil. Allez. D'accord. Ouais, mais je sais pas, je demande. Hein. On n'a pas le droit de voler les voitures des employés? Parce que lui, il a une belle BM. Waouh, génial. Waouh. Tu l'as mis où le cadavre? Bon, je l'ai balancé là-bas. Ok. Ok, il y a un Blackos qui est en train de surveiller l'entrée. Ah là là. Comme... Attends, il est... Non, là, ouf, vite. Putain. Ah. Mais tu piches que dalle, mon pauvre enfant. J'ai pas eu le temps d'ouvrir. Oui, bah, fallait... Oh, on peut taper dans les bouteilles, t'as vu? Cristaline. Staline.
Il était énervé le gars. Genre il était vénère. Calotte dans ta gueule. Ouais, je sais pas, il s'est dit ouais pourquoi pas. Donc quand on vous dit qu'on la faisait 50 fois cette mission, c'est qu'on la faisait 50 fois. C'est pas un à chaque fois on se faisait gauler. T'emballes, ouais. T'emballes tout le monde, hein. Enfin juste les cadavres. Pas les gonzesses, hein. Ça je sais pas encore. Oh là là, c'est ça. Ah merde, le directeur il est assis avec la secrétaire. Ah flûte en... Tu sais, la secrétaire. Hein. Alors qu'en fait, hein. Hein. Ricrac dans le... Là tu mets un extrait de Monsieur Jérémy, hein. C'est gênant comme point de vue. Mais viens, espèce de connard. Je te jure, tu parles encore une fois, je te jure, je te descends, j'aurais pas peur. Il y a encore un garde emballé. Tiens, ce pélo, l'autre il se promène, t'es. Il y en a un... Attention, attends, ça va tranquille. Putain, mais ta gueule, putain. Le mec, tu joues pour ta vie, il fait pas le kéké, quoi. Moi j'ai un nez, j'ai un pistolet, tu vois, d'ailleurs il est mort. Je te jure, maintenant j'aurais plus peur. 12 000 de monnaie, m'en bats les couilles, tu vois. M'en bats les couilles, moi j'ai 1 000 000 et quelques. J'ai 1 427 000, j'ai pas pour avoir peur de tuer un mec, hein. 12 000 euros chez moi, c'est pas énorme, tu vois. Donc commence pas à faire le kéké, là. Vu qu'on a cassé la caméra, il y a le flic qui se dit, tiens, c'est cassé. C'est pas normal. Bah après, d'où il appelle. Après, une grosse souris. Une très grosse souris. Ça peut peut-être bouffer une caméra. Ouais, puis même, enfin, je sais pas, t'appelles pas la police dès que t'as quelque chose de t'es chez toi. Ah ouais, non, mais sérieusement, t'arrives, t'es... Oh là là, il y a quelqu'un qui a cassé le vase. Peut-être, tu te dis peut-être au début, bon, c'est quelqu'un qui s'est cogné. Merde, putain, je vais crever. Comment... Merde, Adrien, va-moi. Attends, je vais répondre à l'histoire d'abord. Mais comment t'es fait pour mort? Pour... comment t'as fait pour mort? Comment t'as fait pour crever? Ben, j'ai sauté en haut pour aller atteindre le beeper, puis ça a pas plus haut. Putain, j'ai plus de cette morture. Il me reste 16 secondes. Et l'autre con qui est par terre, là, avec sa tête de koala. Je commence à voir flou. Ouais, je veux pas net. Putain, mais t'as boulé, toi, mais c'est impressionnant. Donc, de une, tu me pars sur un autre ton, s'il te plaît. Non, mais de... Oh, tiens, j'ai sauté du toit. Mais ce suite c'est plus rapide. Bah c'est ce que j'ai fait du coup. Bonjour, non mais vous inquiétez pas, c'est... Ah il est là le directeur. C'est pour bonjour, les rats. Votre... Il y avait des rats. Votre... Des ratiseurs. On est les... On est les dératiseurs. Bonjour. Il ne se passe absolument rien. Mais bah bien joué. C'est les mecs en plein milieu de l'escalier. Bonjour. Non. C'est pas moi, je suis... Non mais ils ont trébuché. Le... Ils arrivent... Ah oh mince, ils ont trébuché. Et les impacts de balles. Ah, il y avait peut-être une munition de poser par terre. Ils ont dû se faire mal avec leur pistolet de service. Ah. Vraiment, un accident est si vite arrivé. Ah. Oh, il y a une femme. On dirait des jeunes puceaux, c'est une femme. Putain, mais à chaque fois, elle me rentre dedans, elle, enfin, putain, ouais. Enfin, c'est plutôt moi qui lui rentre dedans. Allez, viens ici, Pélo. Voilà, couché. Mais non, mais là, oh. Pourquoi il me dit qu'il faut que j'aille 7 mètres, parce qu'il n'y a rien dans le bureau du directeur, là. Eh, mais c'est pas le bureau du directeur, ça. Putain de sol. Ah là là, merde, là 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 là. Saleté de connard. C'est pas de chance, on est à ça. Vraiment pas loin, hein. Putain, j'ai pété une lampe tellement que j'étais vénère. Ah punaise. Alors que pourtant casser un néon, c'est vraiment dangereux, hein. Il y a plein de gaz dangereux dedans. Ouais grave, il y a des gaz nobles en plus. Oui, c'est hyper dangereux, hein. C'est... Enfin moi je le ferai pas quand même. Ah, oui, putain là, je casse des lampes encore. Ah. Voilà, les gaz nobles de partout. Ah, comme ça on va tout asphyxier. Okay. Mal de tête, vomissement. On est vraiment des voyous. Mais putain, mais pourquoi tu l'as buté là? Mais parce qu'il y a deux otages, je viens de te le dire. Il fallait les bouger, les otages. Mais c'est ce que j'allais faire, mais il y avait le flic. Ah merde, putain, tu vois, j'ai fait la moitié tout seul, ça allait très bien.
Merde, mais pourquoi ça m'a pas pris de clé? Bon, bah vas-y, on en prend qu'une, c'est pas grave. Allez, go, vas-y, avance. Bon, elle roule bien. Mais non, mais t'es sérieux, toi? Quoi? Bah, bugué, là, enfin... Quoi, ça va, j'ai à peine touché. Fais chier! T'as vu en été? Non! On se la retente une dernière fois? Ouais, mais hors caméra peut-être, ou alors on monte que la fin. Ouais. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette petite vidéo sur Payday. On n'a pas réussi à finir l'autre mission. Bah après c'est relativement buggé quand même, tout ce qui est apparition des flics. Mais bon, c'est dommage, on aurait bien aimé la finir parce qu'il est quand même... Ouais. On l'avait déjà fini hors cam, mais là... Elle est quand même relativement sympa comme mission à faire. Mais bon, vous avez vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir, parce qu'on a... On a réussi à s'échapper quand même avec la voiture, donc c'est à peu près ce qu'il y avait plus. Le final en gros. Bon, enfin bon, c'est pas grave, du coup on va se laisser là-dessus. On espère que cette petite vidéo vous aura plu du coup. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire pour dire si ça vous a plu. Et sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.